sauté mine. Tout drôle que les cousins avaient dit un sauté mine. En fait, le sauté mine, c'est un petit peu comme le plat qu'on peut manger sur le pouce, comme ça, dans une barquette qu'on va acheter chez un chinois, comme ça, remporter, manger dans le bon chemin dans son loto. Par exemple, ça m'a connu faire, moi, ça pendant des années, mais la mange sauté mine dans mon loto et puis dans le bon chemin. Donc, que ce soir, ça va pas être dans le bon chemin parce que ce soir, c'est à Bassin-le-Bout. Et ce soir, Toto nous fait la recette du sauté mine. Et ben, façon Toto, bien entendu, hein, parce que Nounoua c'est pas là, ni Philippe aussi. Nounoua sera là bien sûr dans quelques semaines parce que Nounoua revient bientôt chez nous sur Canal Austral pour cuisiner ses 9 plats chinois. Et ce soir, c'est sauté mine avec Toto. Allez, nous ça va tout de suite et après nous retrouve Toto dans un petit instant. On est bon. Allez, c'est parti. Comment ça va? Bonsoir Jean-Claude. Ça va? Ouais, ça va. Du coup, ça fait loin ce soir de ce petit plaisir créole là. Nous, ça fait un petit sauté mine. Sauté mine. Ben dis. Mais tu calmes tout le monde qui a fait massalé avec Sivé. Vous connaissez massalé, Sivé, tout le monde y fait ça. Et après, nous, c'est le plaisir d'être ici pour faire quelque chose. Ouais. Et après, je vais dire là, par exemple, un petit sauté mine, c'est toujours les pas notre dada. Mais nous qu'est-ce qu'il fait? Comme gâteau. Voilà. Hein? On essaye, fait après. Comme gratin. On fait un peu tout à fait. Tout à fait, il faut essayer pour connaître. Voilà. Si on ne fait pas, on ne connaîtra pas. Mais aujourd'hui, comme là, le vendredi, des fois, nous mangeons un bon curry poisson. Ouais. Et en plus, le curry poisson, je l'ai préparé par le patron. Ah, le vendredi. Pas vendredi. Le patron qui est dans l'hostal, il prépare nous un bon curry poisson comme là, ben, on va manger. Surtout l'assister à manger. Ah, comme d'habitude. Là où les oignons verts. Ben, là, nous commençons à préparer les épices avant l'attaque machin. Pour le sauté mine. Pour le sauté mine, hein. Mais ouais. Vous connaissez encore dans son répertoire là. Il dit pas tout, il dévoile au fur et à mesure. Ah, il dévoile. Adam, le répertoire, il est large. Hein. Les ballons, il est large. C'est large. Vas-y, il dévoile au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu veux? C'est Christa. Non. Rien. Qui est la petite fille de papy? Moi. Ah, bon. Et ça c'est quoi? Comment on se fait les œufs? Ouais, nous mettons un peu d'œufs. Comme on fait avec quand on est, on fait les œufs avant. Ouais, à peu près. Et ben. Là donc, on va mettre ça dans les œufs là. Eh ben, nous allons mettre un petit peu de vieux chimique. Le vieux chimique, hein? Ouais, on a le vieux ici, le chimique. Ah, je pense. Hein? Et c'est tout? Ouais, un petit peu de poivre, de sel. Et bon, ouais. Il aime bien faire alors, hein? Ouais. Mais tu fais les œufs tout à l'heure? Oui. Ça, c'est mon fouet? Non. C'est à qui alors? C'est à moi. Ah d'accord, ça c'est le fouet pour l'école? C'est lui, j'ai un peu. Qu'est-ce que vous faites? Bouillerie. Ah, là où c'est bouillère ou là? Non, qu'est-ce que vous faites ou là? Non, non, ça va nous faire pour moi, pas trop. Comment va la cause du tout? Là donc, savon de Marseille, vous faites bouillère? Ben. Ah, ben écoute, là, ben, il faut causer un peu. Alors, Toto, c'est où votre bouillère? Raconte-nous un peu comment ça, Patrick, vient de faire là. Alors. Là, il vient de mettre les pâtes pour faire les mines. Ah, d'accord, ce soir, pas de cochon alors. Voilà. Non, c'est pas de cochon, non. Pas de chinois. Voilà. Et... Change un peu. Donc, change un peu de pâte, ben, nous reste dans la pâte. Ben, nous reste dans la pâte chinoise. La pâte chinoise. Ouais, un peu, pas la pâte cochon, mais la pâte chinoise. La pâte chinoise, un peu plus petit, quoi. Là, il a gagné. Donc, là, on fait bouillir. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans l'eau? Vous mettre du sel? Vous mettre quoi? Faites pas rien, il est juste pour les pâtes dilatées avec son système. Là. Et il met où avec une bouteille d'huile là-bas? Là, ça fait les œufs. Ah, ça fait les œufs par là-bas. Voilà. Patrick, à vous, vous veillez des pâtes chinoises, c'est ça? Oui, pâtes chinoises. Il n'y a pas de pâtes cochon, la pâte chinoise. Une pâte chinoise. Donc là, en quelque sorte, c'est comme un omelette. Voilà.
Et dans le jardin, c'est la mort. Pas grand chose, mettre un peu de sel, un petit peu de poivre. Et le verre là, c'est dans le jardin. Voilà. C'est le verre là. Vous lui prenez un verre pour ménage? Ouais, nous mettre un petit peu d'oignon vert. Ça c'est pas de chinois, mais au feu de bois. Au feu de bois, ouais. Au feu de bois. C'est pour ça qu'on croit qu'il croit la pâte cochon. Mais... Hein, pour ça, c'est pour ça qu'il croit la pâte cochon. Il croit ça, la pâte cochon. Ouais, c'est parce qu'il est cuit au feu de bois, alors. Allez, ouais. Voir. Patrick, attends pas nous, là. C'est la pâte chinoise. Là. Ah, c'est pas une spécialité ça? Ah, il fait un peu. Ok, il fait un peu aussi alors? Les bons là, hein? Les bons. Et François, ah, ou les minous ou bien on est pas minous? Ou bien on fait ben la non, minou? La dit à soir, on est la pâte. La pâte. Seulement pas la pâte cochon, on a la pâte chinoise. Ah ouais, et pas pâte volaille parce que même ça, nous y est là, donc ça, nous, que non, non, pâte. Pâte chinois. Pâte chinois. Pâte chinois. On aime bien les pâtes là ici, Bernard. Comment il est, Bernard? Eh ma soeur, il a donné une bonne affaire là. On a sauté mine ce soir. Ouais, la pâte, il aime bien ça, les pâtes. Les pâtes, c'est bon. Macaroni. Macaroni, macaroni, il est mieux encore. Vous connaissez le gratin macaroni? Ben. Enfin, gratin sans four. Sans four. Gratin de marmite. Ben. Bon, alors. Ouais. Ok, alors, et sauté mine, vous pouvez faire ça? Si. Si. Mais, moi, il fait, moi, toutes bonnes affaires. Moi, mais seulement là. Mais. Ben, les spécialistes, c'est pas les moi, on va trop habituer, trop, on comprend. Voilà, les spécialistes. On va aller pour ça. Ah, allez, ciao. Sauter mine. Oui. C'est où les initiatives de ça? C'est où les demandes à sauter mine? Pas que moi. Pas que vous, qui c'est encore? Tête Charline. Ah, Tête Charline, alors. Oui. C'est elle qui va à sauter mine. Bah oui, elle dit, n'allons pas comment manger. Donc. Et quand il dit, il va à sauter mine, ben, elle fait à sauter mine pour lui. Tu sais qu'on a des chefs comme ça ici, là, où dit, on veut manger ça, tout de suite, il dit comme ça. Achetez les bonnes affaires, les bonnes faits pour vous. Mais bon, ben voilà, voilà. Donc, ce soir, c'est bien bon, le chauffeur. Et là donc, mais qu'est-ce que tu as fait à verre à la mettre dedans là, hein? Mais François, tu es derrière la caméra, t'as la vie. Il a mis des petites tasses peintures. Tâche à peinture, François. Non, non, l'a dit, ça c'est le zèf volaille pays. Ah, et volaille pays mange zèbre. Donc il y a un petit peu de zèbre dedans. Dans le zèf pays. Raconte l'histoire de Moon. Ben, voilà, un petit peu d'oignon vert. Et ça c'est des lardons de poulet, parce que ce soir tout est à la volaille. Tout est à la volaille, hein. Et même le jambon aussi à la volaille. Hein? Tout est à la volaille. Lardon, hein, même lardon poulet, il est super, mes amis, vis ça. Ah, lardon de poulet. Lardon de poulet. Ben, au fait, aujourd'hui, il voit que ben, Malba, il fait bien carême. Il y a tout ce qu'il faut pour vous autres. Puis, besoin de bataille. Poulet, Malba, il mange pas qu'il fait carême, hein? Non, mais là, je dis, quand je dis, comme je dis, moi, pas pour. Donc, je n'ai rien à faire pour manger, voilà.
voilà. Ouais. Donc il veut dire que Namalbaï, c'est dans soi. Ah ben oui. Non, parce qu'il y en a quelqu'un, là, moi, dessus, une réflexion sur YouTube, hein, du dernier émission qu'on avait, il y a Namalbaï dedans. Ben, au fait, ben, si vous comptez bien la Réunion, si nous comptons bien, il y a presque 40% Malba, et le reste, c'est. On ne fait pas exprès. Ah, François, il est là, maintenant, le bon, hein. Mais je t'y comprends pourquoi maintenant, et Saint-André n'en a plus Comorien que Malba. D'accord. Ben, l'avait trop Malba. T'es obligé de faire venir Comorien. François, je... parle pas de Comorien, sinon m'y coupe à où. Coupez. M'y coupe à où sinon. Ah, hein. Bon. Dis pas Comorien. Hein. C'est des Maorés alors. Non, même ça aussi m'y coupe à où. Bon, mais dis pas alors. Dis pas. Mais disons, au final, arrive si Freedom est cool là. Ah bon? Dès qu'il dit Comorien, on coupe ou est-ce que. Je ne connais pas, maintenant dans le radio, il dit tout là. Eh, hein, au fond. Moi aussi, pareil, je connais. Au fond, modèle si radio est tort. Radio Liberté. Liberté. Mais combien lettres dans Liberté là-dedans? C'est à mon avis souvent des fois les faux, non? Ben quand il dit coupe, quelqu'un il veut exprimer Mali, on peut pas exprimer où parce que. Comme ça, il dit pas Comorien, il dit pas Maoré. Ah d'accord. Mais longtemps t'es dit, comme là il exprime plus. Il dit Mauricien, hein? Ah d'accord. Mais ben non, mais si vous voulez, on a quand même à force cause avec de monde, si vous voulez. Et ben là, Nana de Mouni, il n'ose pas dire devant la caméra, devant une affaire, mais bon, bref. Mais, il y en a pire là-dedans. En fait, si vous voulez, le fait de faire venir ici des Comoriens et des Maoris, enfin de Mouni, sorte de Comores, hein, en fait, c'est pour baisser l'hégémonie des Malbars. Si vous voulez, Malbars, là, ils commençaient à avoir trop, et le gouvernement, il dit, ben, il faut gérer. Et gérer, c'est ben, comment ça peut s'appartier de monde. Donc, l'obligé fait monter un autre groupe pour que ben, il fait un peu l'équilibre. Hein. Ah bon? Et on garde Saint-André. Non. Ah, mais pas affaire comme ça, moi. Mais il ne pourra pas dire qu'il a dit à moi, parce que même si tu ne veux pas dire. Non, mais. Tu n'oses pas dire. Canal Austral, c'est à tes libres, non? Exactement. Au moins, les libres, pour moi, mais. Voilà, hein. Ah non, où les confridents? Donc, nous va faire comme si il était vraiment comme Freedom. Donc, comme il dit une affaire, il fait. Voilà, il coupe. Ou bien il fait pip. Pip. Donc, plus de Maoré pour éviter d'avoir trop de créole. C'est plutôt le. Parce que si vous voulez, quel groupe. Mais oui, pas grave ça. Je veux dire, ça m'en fout ça, moi. Je veux dire, après, il y en a deux mondes qui vont causer. Je vais dire, ça les pour, ça les contre, d'accord, pas d'accord. Mais moi, je n'ai ni pour ni contre, hein, mais c'est juste un constat, si vous voulez. Et on regarde, par exemple, une commune comme Saint-André, le Méal et Malba, ben, ils perdent aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas le Méal, Saint-André. Il y a rien comme longtemps. Il y a reste longtemps, jusqu'à temps, ben, là, ils la perdent. Et bon, alors que, si vous voulez, d'habitude, enfin, ce que tout le monde dit, c'est plutôt que quand on a plutôt une bonne entente, si vous voulez. La communauté Malbar, on a une entente. Il donne la main, si vous voulez, il n'arrête pas. Mais là, même si je la donne la main, je ne vais pas gagner. Après, là, moi, je dis, moi, quand on plante un pied coco chez vous, là, vous récoltez aller. Si on en a, lui arrive, là, on a la chance, vous récoltez aller. Ben, à un moment donné, vous gagnez, puis récoltez aller, ou d'accord. Il faut que le camarade, il récolte aussi. Chacun son tour. Mais là, si vous plantez coco, on récolte chouchou sur mes cocos. Ah, mais pense pas comme ça, on récolte du coco. Non, mais. On rit ou le bar. On en a un pays. On en a un pays sur les canailles. Il faut que les canailles poule. Comme ça, ouais, un petit coco. Attends, comment t'as le feu là? Avec le feu là. Mon Dieu. Tu reviens les crevettes? Les crevettes flambées. Ça fait pas envie de sauter mille, ça. Ah, voilà, ok. Patrick, à où toujours avec les pâtes, on l'aurait fait en plusieurs fois. Ouais, fais un petit poulet frit. Hein? Un petit poulet frit à côté, parce que au fait, là, de mon aime ce tenir, de mon pour faire un petit poulet frit, un petit peu de riz, un petit gars et tomate, peut-être qu'il passe aussi. Ah, voilà, exactement. Après, là aussi, peut-être si tu veux, m'amène bilimbi. Ouais. Peut-être faire un rougail bilimbi. Hein? Merci de ça. Non, mais qu'on fait rougail des salés, tombe bon, même lui. Ouais. Qu'on mette piment dedans. Oui, bon, oui. Mettre piment dedans les bons. Ah, bah oui, il y en a mettre piment dedans. Oui, bon, il. Bilimbi. Bilimbi, il a dit. Manque carotte, les amères. Manque carotte, les aigles. Mais les Européens, ça n'a pas fait de cela, hein. Ouais, le Bilimbi, là.
En fait, c'est les cornichons indiens. Indiens. Voilà, cornichons indiens, ils appellent. Et ça, il fait achat, il fait tout avec ça. Hein. Ouais, il remplace même tomate quand on a cyclone. Et qu'on fait quand on rit poisson, ça, ils mettent ça à la place, on a fait qu'on mette dedans les bons. Hein. La place tomate. La place tomate, elle est bon, elle est super. Hein. Mm-hmm. Ben, un bon carré caron. Il a dit. Hein. Là, on peut revenir au carré. De manière que nous avons un 4, c'est bon. C'est pas la plus grosse au 4, hein. Voilà, hein. De sauce de poisson. Hein? Yokman. Yokman. On peut rajouter Yokman, ou bien sinon, pour le. C'est le cas, mais pas de la. Ou la poudre chinoise, non? Ouais. Un petit, ouais. Soit l'un, soit l'autre. Hein. Ouais. Il faut mettre la bouteille comme ça, mettre la cave, vous montez. Les caillasses, hein. C'est relève bien le goût, ça, ouais. Ce poisson, hein. Ouais. Non, c'est pas trop. Et là, on rajoute un peu de carottes râpées à l'intérieur. Un petit peu de magie aussi. C'est un plat chinois, ça. Ben, plat chinois, ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. Magie, pas chinoise. Et du chou aussi, hein. Oui. Et rajoute un peu aussi le football, hein. Voilà. Je vais laver, laver. Voilà. Walkman dedans. Ouais. Vous connaissez Walkman? C'est pas le Walkman, vous l'avez vu Walkman avant vous? C'est tu mets dans les oreilles que la musique là, oui. C'est pas Walkman aux oreilles, hein. C'est Yokman. Yokman. Ça c'est Yokman, hein. Voilà. Petit l'ail dedans? Ouais. Un petit l'ail alors, hein. Ouais, un petit l'ail. On met un petit l'ail dedans. Ouais. Les mines à l'intérieur. Hein, c'est là ou mélange. Hein. C'est déposant, puis c'est ça, un stock de mine. Voilà. Et voilà les mines. Après, c'est où la fait les mines, hein. Oui. Après, vous y allez, ouais. Comme il fait les pâtes. Hein. Exactement pareil. Hein. Oui, c'est pareil. Bon, nous aurons l'occasion d'avoir Nounours bien, bientôt avec nous. Nounours sera là bientôt. Hein. Mardi prochain, c'est mardi bien. Prochain. Voilà. Donc, Nounours. Nounours en avant-première. 172 là. 172 plats, tout un dialogue, en moins de temps qu'il faut pour le dire, ouais. Avec Nounours sur Canal Austral. Voilà, exactement, il y a bien fait ça, hein. Ouais. Le final, la finale. C'est la finale ou le final, François? Je vais dire en finale. En finale, donc les œufs. Hein, voilà. Les œufs pays, hein. Oui, oui, les œufs pays avec les petits trucs verts dedans. Les trucs verts dedans, hein. Ça, c'est les œufs pays, hein. Parce que c'est des volailles qui les nourrit dans les prés. Dans les prés. Voilà. Voilà. Hein, voilà. Mais où prend le sautémine comme si c'est où que la fait cuit? Bah oui. C'est où t'es l'instigateur, non? Je prends tous les mérites de tout le monde. Ah d'accord, entendu ça Toto, hein. Elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est pas bien là. En tout cas, merci bien pour le petit poulet, hein. Ah, ouais. Que nous voit ici même là. Hein, le plaisir, hein, de vivre. Et pour le rougail bilimbi, ouais. Hein, avec piment. Et avec piment. Et avec piment, hein. Rougail bilimbi, hein. Ah, rougail bilimbi. Mais elle est bon là. Ok. Ben elle est bon, elle est partie là. Un petit bilimbi passe bien avec un. Sautémine. Hein. Les rannes, la sautémine ici, hein. Ouais. Pour une fois. C'est juste pour. Un petit coup. Pour compléter nous un peu la semaine. Voilà. Ne fait okay. Que commencer. Mais bon, alors. Merci bien. Et vise me dit qu'on va faire un coucou à Déline et Mireille. Les bons. D'accord. Mais voilà. Super. Le coucou est fait. Allez. Les bons, alors. Mais bon appétit, hein.